Zami, famille yo, mwen salye nou. Et comme nous toujours dit à l'habitude, nous espérons que nous en forme. Pour cacher l'identité jeune demoiselle sa, âgée de 28 l'année, après que demoiselle sa t'a pral violé par bandit qui t'est arrivé kidnapper li nan Matisan, après que demoiselle sa t'a pral jeune libération li, et aller l'hôpital, demoiselle sa t'a pral testé positif en VIH/SIDA. Non seulement demoiselle sa testé positif en VIH/SIDA, et demoiselle sa arrivé à porter yon bébé nan vant li pour kidnapper sa yo. Et victime sa ki te choisi sorti nan silence li, demoiselle sa di, mwen pa jam pense yon jour ke m ta pral testé positif en VIH/SIDA. Mwen prend toute précaution qui nécessaire. Mais malheureusement, c'est ka sa ma vive nan vim jounen jodi a. Déclaré jeune fille sa qui âgé de 28 l'année avec une voix peine et tristesse sous visage li. Jeune fille sa qui âgé de 28 l'année li fait konnen après qu'il te fin violé par plusieurs jeunes garçons avec gros âme nan men yo nan moment même que bandi sa ou te kembe li nan Matisan. Demoiselle sa qui pas arrivé accepter que li gen maladie sa, li refuse kwe ki li fait partie moun ki arrivé infecté par maladie VIH/SIDA. Non seulement demoiselle sa te arrivé atteindre VIH/SIDA par plusieurs malandrins salsayo, et demoiselle la arrivé à porter un bébé pendant même qu'elle pas konn ki est ki papa li. Li difficile pour demoiselle sa ta konnen juste pour ta identifier papa petit sa qu'elle pral porter ya. D'après ça, demoiselle la fait connait, c'est plusieurs jeunes garçons qui étaient arrivés violer lui lorsque bandi sa ou ta pral kembe li nan Matisan. Et actuellement, victime nan qui sous traitement après 2 mois qu'il te fin jwenn libération li. Malgré après test positif en VIH/SIDA, demoiselle la pas arrivé quoi qu'elle infecté nan maladie sa. Et pour arriver en Saint-Temps des bandits sa yo qui étaient arrivé Kimbel en captivité a. Mais malgré ça tout, demoiselle la choisi pour porter bébé sa nan vant li. Directeur exécutif en association haïtienne pour le respect droit moun Jackson nan Pierre Noël, li di ka jeune demoiselle sa, c'est pas celle ka qui paraît comme un cas de désolation dans société noire. Li di sa reflète situation de plusieurs jeunes filles qui avaient violé de même situation sa par bandi sa yo ka fè la loi nan pays d'Haïti a. Directeur exécutif association haïtienne pour droit moun nan pays a dit toujours li di li difficile pour nous ta conté plusieurs jeunes filles qui trouvé yo nan même situation avec un cas jeune fille sa bandi avait violé a. Directeur exécutif association haïtienne pour le respect droit moun nan dit toujours li recevoir plusieurs cas de même acte violence sa bandi a promet nan société noua. Directeur a souligné en pile fois jeune fille victime de acte violence sa et souvent mesdames sa yo père aller l'hôpital. Directeur droit moun nan encourager tout un jeune fille qui subit acte violence pour yo aller l'hôpital pour situation an, pa vin pi grave pi devant. Ka kidnapping et viol collectif yo multiplié selon la seule observation de la criminalité du centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme. Environ 117 cas d'enlèvement enregistrés seulement mois septembre dans l'année 2021. 140 cas d'enlèvement enregistrés seulement dans le mois d'octobre dans l'année 2021. C'est triste pour une jeune fille, 28 l'année, ou bien un monde qui accompagne partenaire pour bandit t'a arrivé kidnapper ou non seulement yo t'a arrivé violer ou comment ou t'a senti pendant zak violence ça t'a fin fait sur ou. Et en pile jeune fille bandit arrivé violer. Mwen pa bezwen di ou comment jeune fille sa nan ki situation qu'elle trouve.
allez voir pour jeune fille ça t'a testé positif de VIH/SIDA. Moun sa qui t'a choisi vivre avec une telle situation nan vili fòk mo a l'état ou en pile pour un jour pour pas ta arriver suicide tête li. C'est dit, c'est triste pour moun nan ta wè pendant qu'elle t'a vive avec une joie nan kè li. Pour bandi ta fin kidnappé li après un test pour ta jeune testé positif de VIH/SIDA. Pour yon moun te vivi ça avec maladie ça nan koli. C'est pas yon bagay qui tap aussi facile. Hélas, Haïti, dirigeant haïtien yo,